Le drapeau est le symbole de nos valeurs, l'affirmation de notre identité et de notre existence. Abidjan, vendredi 24 mai 2024. Sur la grande place de la République de Côte d'Ivoire, les honneurs militaires ont été rendus au président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ancien président du PDCIRDA, rappelé à Dieu le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Présidé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et du Premier ministre Beugré Mambé, cette cérémonie empreinte de solennité et d'émotion a réuni les familles Bédié et Kwazan, les proches, les membres du gouvernement, les membres de la famille politique du président Henri Konan Bédié, avec à sa tête le président Tidjane Thiam, les présidents d'institutions, le corps diplomatique, les partis politiques d'opposition, des représentants des présidents de pays frères et amis, ainsi que toutes les connaissances du président Henri Konan Bédié. Cette cérémonie a été marquée par le mouvant témoignage et hommage du président Tidjane Thiam à son père, le président aimé Henri Konan Bédié. Je peux dire, sans risque d'être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy, au général de Gaulle, d'une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours pour vous une attention, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Henri Konan Bédié et Henriette Konan Bédié se complétaient d'ailleurs parfaitement sur ce point. Humain, attentionné, gentil, c'était cela l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non, le président Bédié n'était pas austère. Je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé.
La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Le président Bédier était un père et un grand-père modèle, et je crois que rien ne le rendait plus heureux que de se retrouver au milieu des siens à Daoko. Je crois que cet ancrage affectif, familial, est l'un des facteurs qui explique qu'il ait eu une carrière aussi longue et qu'il ait remporté tant de succès. Pour le jeune collaborateur que j'ai été pour lui, avoir un patron qui attachait autant d'importance à la famille était à la fois inspirant et motivant. Cela m'a fortement encouragé à donner la priorité à mes enfants et à ma famille pendant toute ma carrière, et je suis infiniment reconnaissant au président Bédier de l'exemple qu'il m'a ainsi fourni, ainsi qu'à beaucoup d'autres. Mais il me faut aussi dire quelques mots, au-delà de ces aspects de sa personnalité. Dire quelques mots donc de Bédier en tant que leader et en tant qu'homme d'État. Je voudrais ici porter témoignage en ma qualité d'ancien collaborateur, d'abord en tant que directeur général des grands travaux, puis du BNET, puis en tant que conseiller spécial à la présidence de la République, puis enfin en tant que ministre de la Planification et du Développement. Le président Bédier était doté d'une intelligence exceptionnelle, c'est connu de tous. Mais il savait allier de manière totalement unique à ses facultés intellectuelles peu communes, une expérience elle aussi peu commune. Il avait eu accès à de hautes responsabilités si jeune que quand je travaillais sous ses ordres dans les années 90, il avait une connaissance quasi parfaite, absolument encyclopédique de l'histoire économique de la Côte d'Ivoire depuis notre indépendance. Quel que soit le dossier dont vous parliez avec lui, du cacao au café ou à l'huile de palme, en passant par la commercialisation des produits agricoles, les routes, les barrages, l'hydraulique rurale, l'exploration pétrolière et gazière, onshore ou offshore, la construction d'écoles ou de centres de santé, il savait absolument tout sur la question. Ce qui avait été tenté, ce qui avait marché, ce qui avait échoué, et le cas échéant, pourquoi ? Autre moment émouvant de cette cérémonie d'honneur militaire au président Henri Konan Bédier a été l'oraison funèbre lue par M. Aka Awili, président du Conseil économique, social et environnemental. La nation tout entière aujourd'hui, par votre très haute volonté, Excellence, Monsieur le Président de la République, rend hommage à celui que vous avez rencontré, à celui que les Ivoiriens ont rencontré, à celui dont l'histoire singulière a rencontré celle de la Côte d'Ivoire, son pays, et qui est devenu une partie de chacun d'entre nous, appartenant donc à notre mémoire collective. La trajectoire de Henri Konan Bédier, qui nous convoque aujourd'hui dans le silence de sa présence, exige de nous une profonde méditation afin de reconnaître et surtout de comprendre la profondeur et la densité des sillons indélébiles qu'il laisse dans la mémoire collective et dans la paix. Oui, le président Henri Konan Bédier était surtout un homme de paix qui a consacré sa vie à construire la paix. Nous nous souvenons de son engagement total et sans réserve pour la recherche de la paix, de sa présence au cœur des débats et des négociations en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, où chacun de ses mots avait une signification profonde pour une conciliation véritable en vue de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Cette dimension d'homme de paix se perçoit également dans la grande responsabilité que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, lui avait confiée en faisant de lui le protecteur du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. D'ailleurs, c'est cette paix pour laquelle il a toujours vécu. C'est cette paix qu'il voulait tant transmettre qu'il a poussé à esquisser des pas de danse historiques le 8 février 2023 à Yamoussoukro lors de la remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ex-chancelière de l'Allemagne Angela Merkel. Défilé militaire. La remise du drapeau à la veuve Henriette Konan Bédier par le chef de l'État, relevant les qualités exceptionnelles du président Henri Konan Bédier et pour tous les services rendus à la nation. Henri Konan Bédier a été un homme de paix,
et surtout fidèle en amitié, un homme d'État aux compétences professionnelles avérées. Dans les moments délicats de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a toujours fait don de soi à son pays. La Côte d'Ivoire perd ainsi un digne fils, artisan de la paix, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Henri Konan Bédié mérite bien cet hommage. Et je me réjouis de ce que la République l'ait fait. Outre cela, la cérémonie de ce jour, je dirais que nous perdons un être exceptionnel. Un père de famille attentionné, un grand homme d'État, un économiste hors pair, je dirais. Celui-là que le président Félix Houphouët-Boigny nous a légué en partant. Nous perdons, au risque de me répéter, je dirais que nous perdons un être exceptionnel. Et nous demandons au Seigneur de faire en sorte que le PDCI trouve en quelqu'un d'autre, Henri Konan Bédié, pour que nous puissions continuer son œuvre, l'œuvre du président Bédié. Nous sommes venus rendre hommage aujourd'hui pour la dernière fois à son Excellence le président Henri Konan Bédié qui faisait son dernier passage à la présidence de la République. Merci à son Excellence le président Alassane Ouattara pour cet honneur rendu à ce grand homme qui était un grand homme de la paix. C'était notre leader, c'était notre père, c'était notre guide. Vraiment, que le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Nous disons Yaku à notre maman, Madame Mariette Konan Bédié, Yaku à toute la famille Bédié, Yaku à tout le PDCI RDA. Et que par son départ, nous sachons qu'il y a une seule et unique chose, nous devons retenir les signes de paix et de rassemblement qu'il nous a donnés. Qui repose en paix et que le Seigneur l'accompagne. Alors c'était une cérémonie émouvante. Une cérémonie qui nous a rappelé à travers les discours de président Thiam, de président Akawele, le riche parcours de notre président Henri Konan Bédié. Et c'était une cérémonie émouvante. Voir sa dernière apparition au palais présidentiel qui a été un de ces lieux où il a passé le plus de temps au service de l'État, c'était vraiment émouvant. Nous allons donc remercier le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, les présidents d'institutions, le président du Ghana, le représentant du président Diouf et du président du Togo, et qui ont voulu marquer de leur présence cette importante cérémonie. Nous sommes dans l'émotion, nous sommes dans la tristesse de voir notre président, notre papa, couché aujourd'hui. Le réconfort que nous avons, c'est ce type de cérémonie où la nation tout entière se souvient de lui, où la nation tout entière se rassemble autour de lui comme il a toujours souhaité l'unité nationale. Et ça, ça nous réconforte. Cette longue vie riche de travail, riche de recherche de paix est couronnée aujourd'hui par cet hommage de la nation et nous voulons dire merci à tous ceux qui y ont participé. Vraiment que Dieu le recueille auprès de lui dans sa félicité. Et vraiment, Yako encore à toute sa famille biologique, Yako au PDCI, RDA, à la nation entière.